Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de mon let's play sur le jeu Dark Souls. Je vous avais laissé donc au sanctuaire de l'Ichefeu, où la gardienne du feu a été tuée. Sachez que voilà, cet objet notamment s'illuminera. Voilà, modifié. S'illuminera et nous indiquera le monde du coupable pour aller le tuer, récupérer et peut-être la faire revivre. Mais bon, pour le moment, on n'a plus de feu ici, donc ça c'est horrible. Alors, nos compagnons sont toujours là, hein, vous voyez, le magicien, le pyromancien. Les autres copains, ils sont partis, mais il reste Petrus, alors on va aller le voir. Salut Petrus. Oh. You again? Bah ouais. Me? I've become separated from my lady. Tu l'as laissée toute seule? I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Alors vous voyez, ils sont partis, mais il semblerait qu'il ait perdu le groupe, et du coup, il est revenu ici. Your Highness, where have you gone? I am entirely to blame for this. Oh, woe is me. I am unworthy, deathly so. Et oh, I'm sorry. Miracles, was it? Ouais. Sometimes I lose myself. Pay me no mind. Alors, bon, il aura tout ça à acheter. Ça, on les a déjà. On n'a pas beaucoup d'argent, donc du coup, on va faire pas mal de choses dans cet épisode. Alors, pourquoi je vais ici? C'est notamment pour vous montrer quelque chose dont je vous avais parlé il y a longtemps. Voilà. Donc on va essayer. Voilà, nickel. On avance bien. On est plutôt bon. Vous voyez, on peut grimper par là ou on peut aller ici. Oh là 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 là. Ouh, j'ai eu peur que de m'être foiré. Donc on récupère la clé référence refuge, plutôt mort-vivant niveau 20. Alors je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Hein, on ne sait jamais. Ah là. Et donc là, si on tombe, on tombe. Donc du coup, c'est pas très très drôle. Mais je vais... Ah, on peut récupérer ici. Oh là, wow, vous voyez. Par contre, il y a quelqu'un qui dort ici, c'est étrange. C'est très étrange. Ce jeu est de plus en plus bizarre. Donc, une fois qu'on a récupéré la clé du refuge, vous allez me dire, mais comment on fait pour aller au refuge à nouveau? C'était un grand corbeau qui nous avait emmené là-bas. Eh bien... On va y aller. On va y aller toujours par le même système, vous allez comprendre. Petite astuce du jeu. On peut pas le voir d'ici. Hop, donc on se remet ici. Voilà. Vous voyez, c'est finalement assez simple. Et vous voyez qu'il y a un grand corbeau ici. C'est étrange. Est-ce que c'est notre copain qui nous avait emmené? Alors, on peut aller par là. Mais vous voyez, y a pas vraiment grand chose. Donc du coup, on voit un nid et on va y aller. Laisse-moi aller dans ton nid. Nous pouvons nous rouler en boule, comme un œuf. Et il se passe rien. Et il se passe vraiment rien. Et il se passe encore rien. Et en fait, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faut rester comme ça. Et voilà. On est en neuf. Hop là! Et donc nous quittons
le royaume de Lordran pour revenir au refuge des morts-vivants. Par contre, je vais pas trop rester là-bas parce que c'est extrêmement dangereux. C'est la zone du début, je sais. Mais croyez-moi, c'est loin d'être la zone que nous avons connue. C'est une zone de barbarisme. Une zone de zombies. Bon, ça va, je les tue en un coup. Mais en fait, beaucoup de choses ont changé. Et c'est d'ailleurs ici qu'on retournera dans cette zone, d'ailleurs. Mais pas pour le moment. Parce que c'est trop dangereux. Trop dangereux. Trop dangereux. La preuve étant, c'est que si je marche tout droit, je vais tomber dans un trou et je vais rencontrer le deuxième boss de cette zone. Nous avions vu d'ailleurs dans l'épisode 1. Sauf qu'il est beaucoup plus puissant et à mon niveau 20, je ne ferai pas du tout le poids. Mais alors, pas du tout le poids. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut aller ici? Oui. On peut embraser. Voilà, on va embraser. Est-ce qu'on va faire un petit... Voilà, ça va être un épisode de transition avant de retourner dans le hameau. On va faire pas mal de petites choses. On va récupérer des choses très intéressantes. Vous allez voir. Donc là, c'est la zone du début. Et je me dis qu'il pourrait être marrant de retourner à l'endroit où je suis né. Sauf que regardez, il y a un copain. Vous voyez le boss? C'est celui-là que je vous parlais. Et il nous attend très gentiment. Donc on va se faire un chevalier noir. Hop là. Aïe. Oula, 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 oula. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Donc vous... Mince. Je vais essayer d'aller dans ma cellule parce que c'est un tout petit peu plus grand. Voilà. Allez. Meurs, vermine sans nom. Par contre, il est costaud. Hein. Ça lui fait 3 backstabs. Désolé pour la caméra, elle est un petit peu foireuse. C'est pas de ma faute. Ouh là là. Waouh. Oh, ça c'est dangereux. C'est très... Est-ce qu'il est mort? Non, encore un petit coup. Voilà. Et j'ai gagné l'espadon du roi chevalier. Et une poupée étrange. Alors, poupée étrange servira à quelque chose plus tard. Mais on verra bien au fur et à mesure. Donc vous voyez, le démon gardien, il est là, il est méchant. Si on arrive à le tuer, on gagne quelque chose de super intéressant. Sauf que j'ai vraiment pas le niveau et je me sens pas capable de le battre. Donc je ne vais pas faire le fifou. Je voulais récupérer la poupée étrange. Mais c'est pas ce que je veux récupérer le plus important, on va dire. La chose que je veux récupérer se trouve là-haut. Et d'ailleurs, on va faire une... Voilà. On va
va faire la rencontre de notre ami, le chevalier qui nous avait donné les fioles d'Estus, qui est devenu une carcasse et qui est devenu pas très gentil finalement. On lui fait pas beau, on lui fait vraiment pas mal, hein. Ça va être un combat de longue haleine, je vous le dis, mes jeunes amis. Waouh, waouh, waouh. Bon, il fait pas très mal, donc ça, ça va. On va pouvoir se le faire. Va mourir là. Tiens, les backstabs, ça te fera du plaisir de la famille. Et voilà. Et deux. On gagne l'écusson. Et donc, est-ce que l'écusson est meilleur que le mien? Bon, ils ne reviennent pas, les ennemis, hein, rassurez-vous. Préparer. Voilà. Donc, je voulais voir. Est-ce que l'écusson est meilleur que le mien? 62 plus 5 en termes de dés. Il a une meilleure protection contre la magie. Par contre, il est moins bon en termes de feu, électricité, équilibre que mon. Ah oui, vous voyez, on passe à 80. Donc à garder contre les ennemis qui sont faibles à la magie. Donc vous voyez, notre ami qui était là ne l'est plus. Il y a encore la bouboule, à nouveau. Donc on va la faire descendre. Voilà. Et on va grimper. Pour améliorer le taux de drop, qu'est-ce que je vais faire? Alors ça, on va l'enlever. On va le mettre. Les humanités. Ah, d'ailleurs, j'aurais dû améliorer ma fiole d'Estus. Alors pourquoi je fais ça? Car à 10 humanités en temps humain, on passe à 210 pour la récupération d'objets sur les ennemis. Et vis-à-vis des monstres que je vais tuer, le fait de pouvoir récupérer leurs armes ou plus de choses est très intéressant. Donc après, avoir plus de 10 humanités sur soi n'est pas... ne sert pas à augmenter plus le taux de drop, regardez, qui est à 210. Donc si j'avais plus d'humanité, ça n'aurait pas réellement d'impact dessus. Donc n'utilisez pas plus d'humanité. Le fait que j'en ai 35 la dernière fois, que je les ai d'ailleurs perdus hein, dans l'épisode d'avant, c'est que j'ai utilisé, en fait, j'ai combattu des boss, comme je vous l'avais dit, et à chaque fois qu'on tue un boss, on gagne une humanité. C'est un autre moyen de gagner des humanités et des âmes. Voilà, donc. Hop, on le tue. Et vous voyez, il y en avait un, maintenant il y en a deux. Mais bon, c'est pas très très méchant. C'est des ennemis. On arrive. Oula. Par contre, ils sont très agiles, hein, ces petits. Attention à celui-là. Voilà. Et donc, en fait, la clé que nous avons trouvée sur le coffre va nous permettre d'aller ici. Et l'anneau qu'on va trouver est un anneau qui va me servir notamment dans la zone des marécages. Car cet anneau permet de courir dans des milieux hostiles. Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous dit? Améliore l'équilibre sur les terrains difficiles. Donc vous voyez comment j'étais très très lent.
Grâce à ça, je ne le serai plus. Et donc, ça fait plaisir. Donc, on a récupéré deux objets que je voulais. Et pour le plaisir... qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, améliorer, renforcer... Comment on fait pour renforcer la fiole des six déjà? Ah oui, mais il faut une... Ah ouais, mais elle est morte. Oh, c'est nul. Ah, il réagit pas beaucoup, le petit, hein. Quoique j'ai été bête. J'aurais pu passer par là. Ah, dites... Vous pouvez dire que je suis débile. Voilà. C'est vrai que je peux passer par là, ça va être beaucoup plus simple. Alors, chut, pas de bruit, hein. Faites pas de bruit, les amis. Oh, le... Oh, l'enflure! Comment il m'a eu? J'ai cru qu'il était... Excuse-moi. Alors, si tu veux, on va là-bas. On va là-bas, viens. Allez, viens, s'il te plaît. Viens avec moi. On va ici, là, il y a plus d'espace. On va s'amuser, ça va être fun. Allez. Viens. Voilà. Voilà. Heureusement qu'ils sont loin. Allez, viens. Ce que j'aimerais, c'est avoir ton bouclier. Ça serait cool. Ça me ferait tellement du plaisir. Oh là là, je vais pas y aller comme ça. Hein. Je vais pas y arriver si je fais un coup de... Tiens. Voilà, petit coup de bastab. Ça ne fera jamais de mal. Donc cet épisode spécial chevalier noir. Pourquoi je peux plus cibler? Aïe, ça c'est pas très gentil. Arrête de... T'es vraiment pas cool, hein, comme mec. Non, mais c'est bon, là. C'est bon, quoi. Raté. Ah là 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 là, ça c'est du combat épique, hein. Mince. Je joue comme un pied là, je joue comme un pied et ça m'agace. T'es chiant comme chevalier, hein. Voilà. Et de deux. Waouh, waouh. Ça, c'est pas très gentil. Donc, excusez-moi. On va aller ici. J'aurai plus d'espace. Si tu veux bien. Un. Deux. Par contre, un. Voilà, parfait. Laisse-moi prendre un petit coup de gouglo. Oh là là, oh là là, faut pas qu'il me touche. Faudrait pas que je meure ici, ça serait bête. Là, je stresse, je stresse. J'ai pas de raison à stresser, mais bon. Voilà. Oh là 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 là.
Il m'a fait stresser, ce petit, hein. Il m'a fait extrêmement stresser. Hop là, donc il m'en reste encore un. Et on aura tué tous les chevaliers noirs de cette zone. Il restera plus que le boss, mais on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que... Je crois qu'il y en a encore un, enfin... J'espère juste qu'il va pas me prendre par surprise, genre... Yo-ho-ho! Oh, je me fais peur tout seul. Ah non, il n'y en avait que deux. D'accord. Bon, bah nickel, nickel. On va pouvoir se barrer. On va bien sûr éviter la zone centrale pour ne pas tomber. Hein. Par contre, voilà. Il y a la réunion Tupperware. Aïe! Non, mais sans blague, quoi. Voilà. Et donc, pour retourner là-bas, on n'a plus qu'à aller ici, dans le nid, et on va pouvoir s'allonger. Voilà. Et donc, directement cinématique. Voilà, qui nous renvoie à Lordran. Donc, voilà comment retourner. Donc, on a fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Il nous reste encore 10 minutes. Alors, je pense que je vais faire ceci. Ouais, je pense que je vais faire cela. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite, rassurez-vous. Donc, il nous ramène dans le nid. On va prendre un petit coup de popo. On va descendre les escaliers. Voilà. Hop, regardez. Hop. Hop. Bon, il y a toujours le gars qui ronfle. On sait pas qui c'est. Bon, là, il n'y a toujours pas de feu, donc bah, tant pis. Hein. On a une âme de gardienne qu'on ne pourra pas utiliser, ce qui est assez dommage, d'ailleurs. On va aller ici. Et on va essayer de récupérer l'épée d'Astora. Une épée sympathique avec un beau bouclier. Hop, on va grimper. Donc moi je suis plutôt poire hein, comme garçon, je courageux mais pas téméraire. Et on va se battre contre un dragon. Ouais, ouais. Un dragon, un vrai dragon, mais sauf qu'il est zombie. Et ce genre de dragon me fait terriblement peur. Je ne les aime pas. Mais alors. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais du tout, du tout. Hein. C'est le genre de haine viscérale. Je n'apprécie pas énormément. Donc on va aller là. Donc on se souvient de ce côté-là, il y a nos copains. On y retournera très rapidement dans le prochain épisode. Mais on va aller ici. Et vous voyez, vous remarquez. Alors il n'y a pas de trous, hein. C'est pas la blague qui est des trous. Vous remarquez donc une sorte de d'excrément. Mais en fait, il est vivant. C'est pas, il est pas mort. Et donc voilà. Et en gros, eh bien, je vais me le faire à l'arc. Ça va être terriblement long, vous allez me dire. Non, mais en fait, c'est vrai que ça va être terriblement long. Ah, mais j'ai peur.
Peut-être que si je me rapproche... Bon, déjà, je fais un peu plus mal. Si je me rapproche plus... Oui, ça va être très long. Donc vous savez quoi? Je vais vous faire une petite ellipse. Je vais le... Ou je vous mettrai d'un peu de musique, ou j'accélérerai le mouvement. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais je vais, voilà. Dès qu'il aura presque plus de vie, j'irai lui mettre le coup à l'épée. Juste pour le fun. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve. Il lui reste plus beaucoup de vie. Alors on y va! Il est pas mort. Bon, en fait, vous savez quoi? J'ai peur. Donc, je l'ai tenté. Et il est mort. Voilà. J'admets que c'est pas très fair play, mais je suis désolé, moi je joue comme ça. Épée droite d'Astora, écusson du dragon. Âme noble de chevalier. Je sais pas si je suis noble, je sais pas si je suis un chevalier. Mais en tout cas, on a trouvé donc l'écusson du dragon. Qui est très résistant contre le feu. Donc ça va nous servir, vous allez voir. Et en termes d'armes, épée droite d'Astora... Alors, il faut 14 en foi. Oh là 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 là, ils sont relous. Par contre, c'est une épée, une arme sainte, donc ça c'est pas mal. 80, donc c'est une épée magique. Ça ferait presque plus que mon arme. Hop, voyons voir. À demain. C'est plutôt pas mal. Donc du coup, on va prendre l'écusson du dragon. Qui rend assez classe notre personnage. Voilà, nous changeons d'arme. Ça veut pas dire que je reprendrai pas l'autre par la suite. Il y a quelqu'un qui est mort? Regardez, il y a quelqu'un qui a essayé de se faire le dragon. Et il est mort. Donc, ne dites pas que j'ai pas essayé. J'ai essayé, j'ai failli mourir. Donc, voilà. Je suis fier de ma prestation. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, je vais devoir améliorer un peu toutes ces armes-là. Le bouclier aussi. Je vais retourner au feu de camp. Oui. Je vais retourner au feu de camp. Et on se retrouvera là-bas. Hop là, je crois qu'il y a... Quoique, il y a un... Oui, voilà. Ici. Il y a... Salut. Oula. Well, this is unusual. You haven't lost your head. Ouais, je sais. On est tous un peu fous dans cette baraque. Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. J'espère. I was once an established smith, Davis. Look at me now. Can you believe it? Je sais pas. Bon. What is it? Have you? Oh no. Oui, je sais, t'es en prison, mais ce qui m'intéresse, c'est que t'es un forgeron. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Faudrait pas que je tombe, ça serait bête. I've not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons. Ça serait cool. Allez, allez, hop, hop, hop. I'll show you what made me the best in Vinheim. Super, ça fait tellement du plaisir. Alors, acheter objet. Waouh, ils vendent des super magies de la mort qui tue. Catalyseur du sorcier, renforcé arme. Épée droite d'Astora.
Il faut des titanites scintillantes. Oh la vache. Et attendez, renforcer armure. Renforcer arme. Et le cuisson. Il faut des titanites scintillantes. Ah ouais, c'est pas cool. Come back soon. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Donc vous savez quoi? On va aller. On va reprendre notre arme. Voilà, de main gauche du baldeur. Bon, épisode qui va durer un peu plus longtemps parce que je sais pas combien de temps là. Si je vais couper ou si je vais faire de la musique. Je pense que je vais couper hein, réellement. Me voir pendant même 30 secondes tirer des flèches, ça n'a pas réellement d'intérêt. Pour vous. Et donc nous revoilà ici. Voilà. Épisode. Salut les gars, la famille, comment ça va bien? Oh, regardez, il attend quelque chose le petit. Donc là je vais retourner directement bah, au feu de du sanctuaire de machin là. Oh oui, je connais pas les noms, hein. Ne m'en veuillez pas. On a un beau bouclier, ce qui est embêtant c'est qu'il s'améliore avec titanite scintillante. Par contre, il a vraiment une belle capacité contre le feu, et comme je vais me battre contre des trucs qui lancent du feu, je trouve que c'est plutôt pas mal de le conserver. On va garder notre épée de Baldur. Mais je voulais dépenser un peu d'argent. Aïe! Voilà. Excuse-moi. Je vais dépenser un peu d'argent dans les niveaux, tiens. On va se mettre niveau 25. Enfin, j'espère que je vais pouvoir me mettre niveau 25. Et finalement... Alors... Vous voyez, j'ai plus aussi. Niveau 11, ouais, mais ça c'est pour la foi quoi, c'est ça pour utiliser. Je ne sais pas. Ça augmente ma défense quand même, ça c'est étrange. Ça augmente ma défense la foi. Vous savez, comme on est à peu près partout. Voyons voir. La résistance, ça augmente quand même vachement plus. Ah mais ça c'est la résistance au poison, enfin tous les trucs, enfin... Les blabla. Oh bah finalement en fait je vais rien dépenser. Voilà, finalement je dépense rien. Donc j'espère que ça vous a plu ce nouvel épisode. Il a été... il s'est pas passé grand chose, mais voilà, c'est comme je vous ai dit un épisode où on a récupéré pas mal de matos. Qui sont très importants pour la suite de l'aventure. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Et puis, à ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé. Et bien sûr, je ne peux pas faire de petites émotes. Ah, allez. Voilà. Allez. Salut.